bien zéro. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Poulain de Feuille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc se diriger dans le quartier français de Séoul, puisque si vous ne le saviez pas, il y a un petit quartier français, vraiment tout petit, à Séoul. Pourquoi ? Eh bien parce que à l'heure à laquelle où je filme la vidéo, nous sommes le dimanche 10 avril, donc je vais aller voter. Ça va être la première fois que je vais voter donc à l'étranger. Je me dirige au lycée français de Séoul. Et donc cette journée va être placée sous le signe, comme vous pouvez le voir, des cerisiers. On est en train de faire un chemin qui est très très joli là, recouvert de cerisiers. Il fait extrêmement beau, c'est vraiment le premier week-end du printemps où vraiment le temps est parfait, donc il y a beaucoup de gens qui profitent. Donc je vous propose aujourd'hui un petit vlog ultra cool, ultra chill, avec de la petite musique sympa, des plans avec du soleil et des cerisiers. Bref, un vrai régal. Et je vous retrouve une fois là-bas et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, même moi je vais découvrir. On est parti pour une journée ensoleillée à Séoul, en direction du quartier français. Voilà, j'ai voté donc dans le lycée français de Séoul, ça s'est très bien passé. C'est vraiment un tout petit lycée à la française, hein. C'est drôle, hein. C'est une petite cour et tout au milieu des bâtiments. Donc à la française, petit établissement, mais très sympa. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais un des organisateurs quand même avait l'air de dire qu'il y avait pas mal de gens qui se sont déplacés. On a pris quelques sandwichs, quelques pains, avec une boisson fraîche pour aller déguster tout ça dans un parc. Et pas n'importe quel parc, parce que nous sommes dans le parc de Montmartre. Le parc, il est vraiment à 5-10 minutes, un peu au-dessus du quartier français. Et alors pourquoi quartier français? En fait, c'est surtout parce qu'il y a pas mal de Français qui vivent aux alentours. Il y a ce lycée aussi, un lycée public français. Et on peut trouver quelques clins d'œil à la France, donc il y a quelques boulangeries. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à vraiment un petit bout de la France dans Séoul. Mais comme me disait Suzy, c'est vrai qu'il n'y a pas par exemple de quartier américain. Donc c'est un peu une spécificité, donc cocorico. On a mangé à l'ombre, c'était très bon, on s'est vraiment fait plaisir. Et on va un tout petit peu se reposer tranquillement, puisque de toute façon la plus grande partie de cette vidéo ce sera les cerisiers que je vais vous montrer plus loin, pas ici, mais du côté de Hatchazan. Ça va être magnifique, vous allez voir. En attendant, on en profite du fait que ce soit un peu calme ici, pour se reposer et profiter de cette journée ensoleillée. Voilà. Ah, look.
Nous sommes arrivés donc dans la destination surprise. Nous sommes à Walk Hill, donc dans le quartier de Gwanalu. Et la particularité de cet endroit, c'est que donc c'est une résidence avec pas mal d'immeubles. Il y a ces énormes cerisiers qui sont tellement jolis. C'est la première fois que j'en vois des si grands en vrai. Parce que l'année dernière, en fait, j'ai pas trop pu en filmer, si je dis pas de bêtises. J'en ai filmé par-ci par-là après un peu la saison. Mais là, on est en plein dedans et quel plaisir! Du coup, on va se balader, plein de plants de cerisiers, il fait super beau, let's go! Alors, c'est ultra stylé. Alors, l'appartement où on était, donc la résidence, elle est ultra stylée. Alors, inutile de vous préciser que c'est très très cher, où est-ce qu'on était. C'était vraiment les résidences les plus chères du quartier de Gwanalu où on était. Mais qu'est-ce que c'était bien, c'est genre avec les cerisiers, il y en a partout, c'est rempli. Les jardins, ça a l'air d'être tout mignon, tout beau. Bref, c'est trop bien. Et en plus de ça, après, la sortie en fait est liée avec un chemin qui te mène, qui est autour donc de Hatchazan, la montagne. Et là où tu peux encore te balader, où il y a des cerisiers. Là, c'est encore un tout petit peu tôt. Mais ce que je voulais aussi vous montrer, c'est un peu vous montrer donc les cerisiers, mais pas forcément dans les quartiers, les endroits hyper populaires. On n'est pas allé à Jamshil, on n'est pas allé au parc olympique parce qu'il y aurait beaucoup trop de monde. Donc là, on est à un endroit où c'est déjà plus calme. Et c'est vraiment super bien, la lumière est jolie. Enfin, c'est vraiment un gros coup de cœur, cet endroit. C'est pas forcément le plus impressionnant, mais la résidence et puis tout le reste. Et là, on est passé où il y a une pizzeria, très chère là aussi, mais où il y a une vue de dingo. Enfin bref, trop bien.
Non mais regardez-moi cette vue de malade. C'était tellement pas prévu en fait. En fait du coup ici il y a un hôtel, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Peut-être que je me répète. Mais il y a un chemin du coup pour accéder à cet hôtel où on peut se promener. Et regardez-moi la vue de malade quoi. Et je commence à connaître pas mal de vues sur Séoul. J'en ai fait quelques-unes grâce aux montagnes. Mais en fait aussi proche du fleuve Han, c'est super rare quoi. Parce que la plupart du temps autour du fleuve Han, c'est des parcs ou des pistes cyclables. Mais regardez-moi ça encore quoi. Trop bien. Vraiment. Alors c'est, voilà, c'est pas le chemin et tout ça, c'est, enfin, c'est, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est pas l'endroit le plus joli où je suis allé à Séoul, loin de là, mais c'était super agréable. À un moment, il y avait presque personne, il y a quelques cerisiers, il fait en plus super bon, et là, cette vue qu'on a là sur le fleuve, c'est trop cool quoi. Alors je vais vous raconter un truc qui va absolument pas vous aider pour la vie de tous les jours. Mais ici, c'est un opérateur et c'est la première boutique dans laquelle je suis allé quand je suis arrivé en Corée. Puisque en fait il a fallu que Suji en fait active son numéro de portable. Et donc c'était l'ancien quartier où habitaient ses parents. Et donc c'est le premier magasin entre guillemets coréen que j'ai visité. Voilà. C'est du coup à chaque fois que je passe devant, c'est une petite vague de nostalgie puisque ça remonte déjà à 3 ans maintenant. Bon bah voilà, nous on est rentré à la maison, c'était très bien, je pense que je l'ai suffisamment dit comme ça. C'était très agréable, la météo est super friendly, donc un vrai plaisir. Je vous dis donc bah, à très bientôt, je vais pas m'éterniser pour la conclusion. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, et agnon.